Rebonsoir, nouvelle partie de V2. J'ai toujours les Suèves en face. Enfin, à côté de moi, j'ai un partenaire qui joue les Macédoniens avec des compagnons à pied en frontline et pas mal d'archers et de caves. Et son général est un compagnon porteur de bouclier, d'accord? Et pour ma part, voilà, donc j'ai essayé de tendre un petit piège, comme à mon habitude. Ça peut être assez rigolo. Ah oui, il y a un onagre, d'accord. Ça, c'est pas très bon. C'est pas bon du tout, même. Donc, je vais le contourner de l'autre côté. Car les onagres, il vaut mieux s'en méfier. C'est dommage, j'avais positionné mes chasseurs nocturnes ici. Ce sont des unités qui se déploient en guérilla et donc ça aurait pu être drôle d'essayer de piéger une cavalerie adverse. Voilà, il a déjà fait 7 morts. J'espère que n'en fera pas davantage. Voilà, faut que je me dépêche. Je sais pas où il y a là, ici. Sur. Il passe mes archers, il a touché. Bon, en général, il faut qu'il se dépêche de s'en aller. Du coup, mes chasseurs nocturnes, je vais peut-être les reculer. Pour éviter qu'ils se fassent découvrir. Voilà, donc on va faire le tour. C'est pas grave, tant pis. Va juste prendre plus de temps. Donc je suis pas sûr qu'il puisse me espérons qu'il puisse pas me toucher de là-bas. Alors est-ce que ouais, ils ne bougent pas. Ah, ils ne bougent pas parce qu'ils sont en protection, mode protection bouclier, donc ils sont immobiles. D'accord, donc si j'ai peur si je les déprotège, j'ai peur qu'ils se fassent repérer, donc on va voir. Voilà, on va passer maintenant les troupes par ici. Ce qui est pas mal parce qu'à la limite, je pourrais peut-être utiliser mes chasseurs nocturnes pour aller détruire son onagre. Bon, ça fait toujours beaucoup d'investissement dans un onagre. Donc, s'il n'a pas le temps de le rentabiliser, c'est assez dommage. Donc, je ne sais pas en revanche. Où se trouvent les troupes adverses, enfin les troupes où il y a des frondeurs, donc il vaut mieux que j'arrive pas trop vite. Voilà, donc là une cavalerie lourde, on va attaquer. Il y a des archers. Je sais pas ce que fait mon partenaire.
sont totalement immobiles, alors on va en profiter peut-être pour... Alors, cri de guerre sur lequel, celui-ci. Et je vais pas m'aventurer car il y a beaucoup d'unités. Ce sont des fondeurs. Voilà, on va attaquer la suivante. Beaucoup de lag. Ça, c'est pénible. Je sais pas ce que fait mon partenaire, mais... Ah, oui, il y avait une unité pour protéger, donc je vais peut-être... je l'ai pas vu. Visiblement, quelqu'un a dû quitter la partie. Ah oui, là on est en slow-mo total. Donc, j'en profite pour corriger ici. Voilà. Ces cavaleries sont assez incroyables. Ouais, il y a une seconde là. Donc ne pas s'aventurer trop. Je sais pas si c'est... Est-ce que c'est une cavalerie à moi? Ah, c'est pas une cavalerie à moi, ça. Je suis bête. Totalement... Bien joué de sa part. Moins que les cavaleries soient pas perdues. Alors j'ai perdu mes deux archers, ce qui est quand même dommage. Là, tout à fait, j'en ai encore un. Alors lui, il faudrait qu'il... voilà. Pour pouvoir reculer.
on va le flanquer de dos, ça c'est parfait. On va faire un crit guerre sur celui-ci. Voilà. Il est passé à travers. Il est passé curieusement à travers. Voilà, donc là. Maintenant, le prendre à revers. Et refaire à la même tactique. Où est-il? Il est là. On va s'écarter bien gentiment. Voilà, alors maintenant je pense qu'il n'y a plus de cave. Je vais pouvoir aller attraper. Des archers. Oui. Voilà. On va monter. Non, cela ne devrait pas résister trop longtemps. Que je me concentre sur le général. Oui, bah j'ai un certain avantage, sans nul doute. Voilà, la dernière unité. Camarade a l'air de s'en sortir. Non, peut-être pas trop aussi bien que ça. Je vois qu'il a des archers qui visiblement n'ont plus de flèches. Moi non plus d'ailleurs. Les compagnons à pied, ça les gardiens fidèles, ça va bien se passer. Combattant paraît pour le vieux père.
Prêteur ! Je te tiens ! Contre le cavalier ! Nous prenons des trophées ! Maître prêteur ! Et voilà, good game à mes partenaires, voyant les statistiques. Voilà, ah ben j'ai fait moins de dégâts que la dernière fois. Ouais, mon ancien ici n'a pas eu le... Ouais, il s'est retrouvé, je pense, face à ce piqué ici, ce gladiateur, donc il n'a aucune chance. Voilà, bon, mes caves... pas si bien utilisé que ça ce coup-ci. Oui, elles sont montées à l'assaut un peu téméraire. En revanche, bon résultat pour mes bretteurs. Mon adversaire a bien utilisé ses, au moins l'un de ses archers. Très faible résultat sur son agre. Ce qui était le but de rechercher. Voilà. Bien, bah écoutez, intéressant comme partie. Voilà, j'espère que ça vous a plu et donc à la prochaine. Au revoir.